Yo, salut, salut, soyez les potes. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là où je vais vous montrer comment télécharger le eFootball PS 2021 Android, les gars. Est-ce qu'on commence? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et de partager. Ça me fera vraiment plaisir, les gars. Et voici ça, c'est la nouvelle version que j'ai téléchargée et je vais vraiment super, super cool, les gars. Vraiment, les ralentis sont vraiment super cool. En tout cas, c'est l'un des meilleurs jeux de football là, vraiment incroyable les gars. En tout cas, ce jeu n'a rien à voir avec le FIFA 21 mode 14 les gars. En tout cas, ce jeu est vraiment super 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 cool. Vous pouvez jouer à deux si vous vous connectez à Bluetooth. Et en plus de ça, vous pouvez jouer avec les adversaires en ligne. Vous voyez? C'est vraiment l'un des meilleurs jeux jamais. En tout cas, c'est vraiment l'une des meilleures jeux que je n'ai pas encore, vu. Après avoir testé le jeu, j'ai donc décidé de partager. J'ai donc décidé de faire une vidéo et de partager avec vous. Et en même temps, profiter pour vous montrer comment télécharger le jeu, les gars. Et voilà, après ça, je vais vous montrer le site là où j'ai réussi à télécharger le jeu. Là, après ça, maintenant, je vais vous montrer où vous pouvez l'extraire. Donc, tout de suite, je vais vous montrer là où vous pouvez avoir le jeu facilement, les gars. C'est maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir le jeu dans votre téléphone. Et si vous voulez télécharger le jeu, vous allez entrer dans voici l'application Chrome. Vous voyez? Et si vous entrez sur l'application Chrome, non, vous allez taper Uto download, vous allez taper comme cela. Et si c'est venu, vous allez taper directement ici la première site qui est là. Vous voyez, et si vous tapez, ça va sortir comme cela. Maintenant, quand ça va sortir, vous allez faire la recherche du jeu. Vous allez chercher le jeu. Vous voyez, comme cela. Et actuellement, voici le jeu. Mais au cas où vous avez fait, vous avez cherché le jeu, que vous ne voulez pas le jeu, vous allez taper eFootball là. Le football PS 2021 comme cela. Ouais. Et voici le jeu qui est là. Le football PS 2021, le jeu de football le plus réaliste sur Android. Vous allez cliquer dessus. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir bien écrit dernière version. C'est comme la dernière mise, le dernier mise en jeu. Le dernier mise en jeu a été le 14 février 2021. Vous allez cliquer dernière version. Et si vous cliquez le dernier, si vous cliquez la dernière version, voici comment ça va donner. Et vous allez appuyer directement sur télécharger. Et le jeu qui fait 1816,92 mégaoctets. Vous voyez, vous allez cliquer directement sur télécharger. Vous voyez, et si vous cliquez sur télécharger, voici actuellement, il va vous demander de le télécharger maintenant. Ou si vous allez choisir si c'est via Wi-Fi. Bon, cette partie maintenant c'est à vous de voir où vous pouvez cliquer pour télécharger. Vous voyez, mais en cliquant, quand vous avez fini de télécharger le jeu, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez l'extraire facilement, les gars. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et de partager, ça me fera plaisir, les gars. Ouais, les gars, maintenant après avoir fini de télécharger le jeu, je vais vous montrer comment vous pouvez extraire le jeu facilement. Mais actuellement, comme j'ai déjà le jeu, je vais prendre exemple sur FIFA. Mais vous allez faire la même chose que moi. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez fait la même chose que moi, vous verrez que non, tout va passer normalement. Et au cas si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas pu le faire, contactez-moi, je vais laisser mon numéro WhatsApp dans le lien de la description. Là où vous pouvez m'avoir, là où vous pouvez discuter avec moi en privé. Ouais, là vous pouvez m'avoir facilement. Je vais laisser mon numéro WhatsApp dans la description de la vidéo. Donc, si après avoir téléchargé, vous allez avoir une fichier comme cela. Vous allez avoir une fichier vide comme cela. Et vous allez cliquer dessus. Et après avoir cliqué dessus, vous allez cliquer sur extraire ici.
voyez, et vous allez cliquer dessus et vous allez attendre quand ça va extraire les gars. Donc vous allez attendre. En tout cas, suivez bien pour ne rien rater. Et après avoir fini de faire ceci, vous allez remarquer qu'en haut il y a eu trois cases vides comme cela, comme cela. Mais maintenant, après ça, vous allez cliquer sur APK et vous allez voir. En tout cas, je suis en train de prendre l'exemple sur FIFA, mais vous allez faire avec le eFootball PS 2021. Ouais, vous allez cliquer dessus et vous allez appuyer installer. Vous voyez, vous allez installer le APK et après avoir installé le APK, vous allez venir, comme c'est le eFootball là, vous allez venir ici au OBB en même temps. Vous allez cliquer sur le OBB et vous allez remarquer si j'ai été pris, vous n'allez pas ne cliquer plus. C'est sur cette case là, vous allez maintenir. Vous allez maintenir la case, vous allez maintenir comme ça. Et vous allez appuyer sur couper. Vous voyez, quand vous allez appuyer sur couper, vous allez venir en haut, mémoire de l'appareil, et puis vous allez venir sur Android. Vous allez venir sur ODD et vous allez cliquer sur ce petit bouton vert. Ou bien vous pouvez cliquer, ou bien vous pouvez cliquer ici aussi pour installer le jeu. Maintenant, quand vous avez fini de faire ceci, c'est tout. Le eFootball là, quand vous avez fini de faire ceci, vous allez partir essayer de l'ouvrir les gars. En tout cas, c'est très simple. Très simple. Très simple. Donc si vous n'avez pas compris, il a laissé mon numéro WhatsApp là où vous pouvez me contacter facilement les gars. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et de partager les gars.